claque. On claque. Voilà. Hein. Fini. Ah, Daniel. Alors, si je mets ça comme ça, ça marche pas, ça se casse la figure. Alors si j'essaie comme ça, et ça colle, ça va pas non plus. Bonjour Marc. Salut Daniel, ça va? Ça va. Alors maintenant, autre possibilité. On fait ça comme ça. Ben dis donc, tu as l'air très occupé, toi. Non, j'ai pas l'air très occupé, je suis très occupé. Excuse-moi. Et évidemment, tu me demandes pas pourquoi je suis très occupé. Ben non. Je veux pas t'ennuyer. Pas m'ennuyer. Dis tout de suite que t'en as rien à faire, ça ira plus vite. Marc, tu vas pas recommencer, hein? Ah ben je recommence surtout pas. Je suis fixé maintenant. Toi, tu vois me débattre, mais tant que ça touche pas ta petite personne, ça t'intéresse pas. Incroyable, ça. T'as plein de qualités, mais en fin de compte, t'es vachement égoïste, toi. Ok, Marc. Ok. Qu'est-ce qui te préoccupe à ce point? Les filles. Les filles? Quelles filles? Les voisines. Quelle autre fille pourrait me préoccuper à ce point-là, d'après toi? Ah oui, excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'arrive, j'avais oublié. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec les filles? Ben, il y a que je suis toujours amoureux de Magali et que je piétine. Et que c'est pas drôle de piétiner quand on est amoureux, quoi. Oui, c'est toujours Magali. Ah oui, c'est toujours Magali, je change pas d'avis comme de chemise, moi. C'est marrant, vous les anglo-saxons, vous avez pas du tout la même sensibilité que nous, avec la philosophie du hamburger. Ah oui, surtout les Américains, hein. On ne pense qu'au dollar, c'est ça? Non, c'est pas ça. Mais admet que pour l'amour, vous êtes en retard par rapport à nous. Hein. Regarde la façon dont tu t'es fait larguer par Cindy, toi. Ok. Ok, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe avec Magali? Alors, et quel rapport ça a avec tous ces petits morceaux de papier que tu tripotes? Bah, c'est pas des morceaux de papier, c'est un plan de guerre. Un plan de guerre? Quand t'as un problème, il faut l'analyser scientifiquement pour trouver une méthode pour le résoudre. Eh oui, et ta méthode, ce sont ces petits morceaux de papier? Mais c'est pas des morceaux de papier, ce sont des symboles. Et tu vas voir, hein, ça représente autre chose. Alors, par exemple ça, c'est le palier de l'immeuble. Ça, c'est les filles. Claire, Fanny, Magali. Ah oui, je les reconnais. Oui. Ça, c'est nous. Et celui-là, c'est toi, bien sûr. Comment t'as deviné? Ah, je ne sais pas. Tu vas comprendre. Ça, la casquette, Vincent. Les couettes, Wendy. Le biberon, David. Ben dis donc, il est grand pour un bébé. Parce qu'il faut pas le perdre. J'en étais. Tu me fais perdre le fil, toi, avec toutes ces questions. T'en étais à David. Voilà. Alors, tu vas comprendre. Depuis ce matin, j'envisage toutes les hypothèses en faisant toutes les permutations possibles. Tu vois? Si, par exemple, je mets Vincent là, eh ben, Claire, elle va pas tarder à débouler. Oui, bien sûr. Hein? D'accord. Si je mets les couettes et le biberon ici, c'est Fanny qui va suivre. C'est génial, non? Ouais. Alors le problème, c'est que bah, j'ai trouvé aucun moyen pour faire bouger Magali, quoi. Comme ça, quoi. Ma Magali, qu'est-ce qui t'arrive? T'as mal aux pieds? Non, non, ça va. Mais pourquoi tu les regardes comme ça, alors? Parce que je viens de lire un article dans ce magazine. Ah! Et qu'est-ce qu'il raconte, ton article? Eh bien, figure-toi que pour 43% des hommes, le pied est un élément érotique important. Montre! Tiens, c'est... Oh là là, t'as raison. Ça alors, je m'en serais jamais doutée. Et tu sais, en Chine, se balader pieds nus est aussi indécent que de se balader les seins à l'air ici. Je sais, merci. Alors, tes objets érotiques? Un peu grands, mais pas mal, non?
Oui, j'avoue que je n'arrive pas très bien à me rendre compte. Ben, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je regarde mes atouts. Si c'est érotique pour 43% des hommes, je peux te dire que je vais les considérer d'un autre œil. Eh bien, tu vois, mon deuxième orteil est plus long que mon gros orteil. Ah oui? Oh, c'est vrai, dis donc. C'est important? Ah ben, c'est beaucoup plus élégant. Bon. Bon. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites des chatouilles? Non, non. On regarde nos pieds. Tu savais ça, toi, que c'est érotique pour 43% des hommes? Bah oui, c'est évident. Vous savez pas ça à votre âge? Ben non, moi je le savais pas. Bon, mais si, écoute, tout le monde sait ça. C'est vieux comme la nuit des temps. Tiens, vous avez jamais remarqué les pieds des statues grecques? Si, enfin, moi je regardais plutôt la feuille de vigne. Écoutez, voilà, un exemple au hasard. Moi, personnellement, j'ai de très très beaux pieds. Oh! Mais si, regardez! L'alignement des deux phalanges, l'écartement idéal des orteils, le galbe du coup de pied, la finesse du talon. Mes petits chéris, ils sont si beaux. Et ça, c'est érotique? Mais oui! Et pour certains hommes, même follement. Et les miens? Dis, ils sont comment les miens? Le tien, pas mal. Mais cependant, ils font un peu roturier. Ah bon? J'ai les pieds roturiers, moi. Ma mère m'a toujours dit que j'avais le pied romantique. Et les miens? Mais tiens, fais voir. Ouf, ils font carrément fan race. Non, non, ça, de toutes les trois, c'est moi qui ai les plus beaux pieds, c'est ça. Oui. Salut les meufs. Pardon, salut les filles. Bonjour. Bonjour les enfants. Bah, qu'est-ce que vous faisiez à regarder vos pieds comme ça? Ah, rien, on leur faisait prendre un peu l'air. Ouais. Elles ont dû lire un article sur les pieds des femmes dans le journal. Oh, comment tu sais ça, toi? On en a parlé ce matin à l'école. 43%, c'est beaucoup, non? J'arrive pas, ça m'énerve, ça m'énerve! Impossible, toi. Hey, salut. Ce truc-là, il est infranchissable, alors, évidemment. T'es encore dans ces trucs-là? Ah, t'es déjà là, toi? Quelle heure il est? Il est 1h. 1h, déjà? Rien, le temps passe. Alors, t'as trouvé? Ah non, toujours pas. Sacré problème de communication. Eh oui. Eh oui. Dis tout de suite que tu t'en fiches, au lieu de dire « eh oui », comme d'habitude. Je me demande pourquoi je m'obstine à te parler toujours de mes problèmes. Non, Marc, je disais « ah oui » parce que j'approuvais ce que tu disais, c'est tout. Alors, explique-moi. Bon, c'est pas la peine, tu vas comprendre. Hein. Mais je vais essayer, Marc. Parce que si je n'insiste pas pour que tu m'expliques, tu vas me faire la tête parce que je n'ai rien à faire avec tes problèmes. Et si j'insiste, tu vas me dire que je ne vais pas comprendre. Alors, tu vois, je commence à te connaître après 10 ans. Alors, regarde. Ça, c'est les filles, et là, c'est nous. Tu vois? Oui, ça, je m'en souviens. Oui. Ah ben, le problème, c'est ça, là. Ça? Oui. Mais c'est quoi, ça? Ben, c'est le mur! C'est cette satanée cloison, là! Voilà mon problème de communication. Mais t'as passé toute la matinée pour t'apercevoir de ça. Ben non. Je le savais, qu'il y avait un mur. Et maintenant, je le réalise. Alors, d'un côté, il y a Magali, et de l'autre, il y a moi. Et au milieu, il y a des fils de fer barbelés, là. C'est encore pire que si c'était le mur de Berlin, ce truc-là. Ben, ça a fini par tomber, hein, tu crois? Le mur de Berlin? Ah oui, mais au bout de 35 ans. Hein. Imagine dans quel état on sera, nous, dans 35 ans. Ben, c'est vrai qu'au niveau sexuel, ça risque de diminuer. Oh non, là, je m'inquiète pas. Hein. T'aurais vu mon père et mon grand-père, ils courent encore comme des lapins. Hein. Non, mais les filles, t'imagines dans quel état elles seront dans 35 ans? Ben, elles seront peut-être encore mignonnes. C'est ça, moque-toi de moi. Les femmes, tu vois, c'est comme les fleurs. Il faut les cueillir quand elles sont épanouies. Avant, c'est encore des boutons, et après, elles se fanent. Alors... Je savais pas que toi, t'es philosophe. Ben, t'as remarqué, c'est joli ce que je viens de dire.
À part moment, je me surprends. Mais t'as oublié de parler des épines dans ta comparaison des fleurs. Les épines? Hein? Quelles épines? Y a que les roses qui ont des épines. C'est carrément nul, ça. Tu voulais être drôle, là? C'est raté. Hein. Désolé. Ouais. Mais ça me dit toujours pas comment faire tomber le rempart entre l'amour et moi. Mon pauvre Marc. Magali d'un côté, de l'autre, le pauvre Marc. Comme si on était séparés par des milliers de kilomètres. Fais gaffe, ça tâche. Va chercher une serviette ou de regarder comme une andouille, là. Attends. Mais là, voilà la solution. Ouais, et ben je sais pas où ils sont, tes 43%, mais y'en a pas beaucoup qui regardent nos pieds. Eh ben oui, mais c'est parce qu'ils osent pas, tu comprends, c'est à cause des tabous. N'empêche que si je retirais mon soutien-gorge, je suis sûre qu'il y aurait un attroupement beaucoup plus grand. Ah, ça c'est facile, évidemment, si tu utilises les moyens primitifs. Attendez, on peut peut-être encore essayer. Oh. Oui, t'as raison, oui. Oh, pardon, je suis désolée. Ouf, ouh là là. Ouf. Aïe, est-ce que ça fait mal? Tu t'es pas fait trop mal au moins? Non, non, ça ira, ça va, merci. Désolée, hein. Excusez-moi. Oh là là, j'ai la chance d'avoir un beau petit derrière celui-là. Oh là là, mais quelle brute, je sens plus mon gros orteil, moi. Oh, moi, c'est le petit qu'un sagouin. Oh, je sais pas où ils sont, t'es 43%. Oh. Oh, j'ai mal. Mais les filles, mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est une grosse brute, là, qui nous a marché sur le pied. Mais vous devez souffrir horriblement. Oh, horriblement, ouais. Je peux pas vous laisser comme ça, tout de même. Bon, venez, je vais vous masser. Doucement. Oh. Oui. Aïe, 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 aïe. Oh. 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 Ça va mieux. Vous savez que vous avez de jolis pieds. Ah bon, tu trouves? Je vais même vous avouer quelque chose. Les pieds d'une femme, ça me bouleverse. Gérard? Ah oui, c'est tellement sexy. Les voilà, le 43%. Eh ben, mon Gégé, il y a au moins une chose qui t'émeut chez les femmes. Ben oui, je trouve ça beau, moi, les pieds d'une femme. Puis vous moquez pas, je suis pas le seul à partager cet avis. Ah bon? Il y en a d'autres? Ils sont où? Pas la peine de chercher plus loin. Daniel, le photographe. Vous savez qui cache bien son jeu, celui-là, hein? Ouh là là, ça doit être un sacré vicieux. Vous savez ce qu'il est venu me demander avant-hier soir? Il est venu me demander si je n'avais pas repéré une ou deux jolies filles qui auraient de beaux pieds, oui. Alors je vous jure, vous rendez compte? Vous voyez jusqu'où ça vous mène, le vice? Remarquez, je suis un peu bête, moi. J'aurais pu lui parler de vous. C'est vrai que vous avez de beaux pieds. De beaux pieds? Non, non, non et non. Je veux pas que tu inondes l'appartement pour qu'on aille se réfugier chez les voisines. Mais Daniel, c'est la seule solution. Regarde le café quand il s'est renversé sur la feuille de papier. Ça, c'est un signe du destin, c'est évident. Bon, c'est peut-être un signe du destin, mais c'est quand même... Non! Mais t'énerve pas! En plus, tu vas voir, c'est pas compliqué. Hein? Regarde la moquette. Elle est usée. Elle est toute râpée, là. On a changé il y a 3 mois. Eh ben justement, 3 mois, c'est vieux pour une moquette. Regarde, quand on marche. Regarde. Elle est moins souple. Essaie de marcher, tu vas te rendre compte. Bon, d'accord, elle est moins souple quand on marche. Eh ben je t'explique. On n'a rien à faire.
on ouvre les deux baignoires. On laisse couler l'eau. Nous, pendant ce temps-là, on se la coule douce. Hein? Et en une heure, c'est fait. Et qu'est-ce qui a abîmé? La moquette. La moquette que, justement, on doit changer. J'ai pas envie de laisser inonder mon appartement. Je savais que t'allais dire ça. Mon appartement. Ouais. Ouais, bah t'as raison, je dirais plus rien. Marc, j'ai pas dit ça pour ça. Tu sais très bien que tu es ici, chez toi. C'est notre appartement. Non, non, c'est le tien, je le sais bien. Mais non, Marc, c'est ton appartement aussi. Ouais, mais qui c'est qui paye tout? L'électricité, le loyer, le téléphone, mes chewing-gums. Bon, je paye tout, parce que tu es gêné en ce moment, hein? Depuis 3 ans. Mais c'est notre appartement, ok? C'est vrai, tu dis pas ça pour me faire plaisir? Non, je te jure que non. Tu le penses vraiment? Mais oui. Mon appartement, c'est ton appartement, ok? Ok. Alors en quoi ça te gêne que je fasse inonder mon appartement? Marc, je t'en supplie, j'en ai assez de problèmes comme ça. T'as des problèmes, toi? Non, non, rien de grave. J'ai des problèmes comme tout le monde. Ouais, je sais. Ah, mon pauvre. Tu souffres à cause de Cindy, c'est ça? Non, c'est pas Cindy. Cindy, j'arrive à l'oublier. Quand tu ne m'en parles pas toutes les 5 minutes. Non, c'est des problèmes de boulot. T'arrives plus à faire de bonnes photos, c'est ça? Ça peut revenir, hein, on sait jamais. Non, Marc, rassure-toi, j'arrive toujours à faire de bonnes photos. Non, c'est quelque chose beaucoup plus terre à terre. Hein? Je suis ton ami, hein, tu peux me le dire, ça restera entre nous. Non, mais c'est rien, hein, c'est juste un détail. Je dois faire des photos pour une marque de vernis à ongles. Et figure-toi, j'arrive pas à trouver un seul mannequin qui ait des jolis pieds. Un mannequin qui a des jolis pieds? Hein? Elles ont pas de jolis pieds? Ben non, ils sont soit trop grands ou déformés, ou alors elles sont pas assez cambrées, tu comprends? Tu photographies des monstres, toi? J'ai peut-être... Hé! Hey. Parmi 200 ou 300 copines, là, je vais en trouver une qui a des jolis pieds. Hein. Moi, j'ai jamais pensé à regarder. Hein. Gérard! T'as pensé à demander à Gérard? Avec toutes les filles qui se baladent pieds nus près de la piscine. Ouais, je lui ai demandé et il va me prévenir s'il voit quelque chose. Voilà la solution. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On inonde l'appartement et on se réfugie chez les filles? Marc, je t'en prie. J'y vais. Oh, les filles, qu'est-ce qui vous arrive? Désolée de vous déranger, mais on a oublié de fermer le robinet de la baignoire. Tout est inondé. On peut venir se réfugier chez vous en attendant que ça sèche? Idiote. Laissez un robinet ouvert. Ah, pas du tout, au contraire. Et puis c'est une chance de vous avoir avec nous. Oui, oui. En tout cas, dès que c'est sec, nous regagnerons nos pénates. Sur nos petits pieds. Oh, rien de presse, hein. Vous êtes très bien ici, hein, Daniel? Enfin, on veut surtout pas vous déranger. Oh, vous ne nous dérangez pas. C'est sympa d'avoir des filles à la maison. Ça égaye notre pauvre demeure de célibataire. Hein, Daniel? Ne vous gênez pas, vous êtes ici, chez vous. C'est gentil, ça. Et puis, il faut surtout attendre que ça sèche. Autrement, vous risquez d'attraper un rhume. De toute façon, il faudra bien qu'on rentre un jour. Les enfants vont rentrer de l'école, alors. Bah, dites aux enfants de venir. Il y a de la place, hein, c'est grand. Hein, Daniel? Oui, il est où, le bébé? David? Heureusement, j'ai eu la bonne idée de le confier à sa grand-mère pour 3 jours. Vous savez ce que vous faites? Vous aussi, vous venez 3 jours. Ah, Daniel. Au fait, vous voulez peut-être boire quelque chose de chaud pour vous réchauffer? Oh, ça, c'est une bonne idée. Vous savez, j'ai mes petits pieds tout mouillés. Je vais vous préparer un bon thé, ça ira? Oh oui, 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 c'est parfait, oui. C'est vrai qu'on est complètement frigorifiés quand on a les pieds mouillés. Bon, j'y vais, j'en ai pas une minute. Vite. Oui? Peut-être l'aider, hein? Ah, vous aussi, vous avez remarqué qu'il était d'une maladresse dramatique. J'y vais. À tout à l'heure. Faites comme chez vous, hein. Si Merci. Vous m'appelez, je suis là.
quel pot de colle, celui-là. En tout cas, Gérard nous a raconté n'importe quoi. Il a pas l'air du tout fasciné par nos pieds, Daniel. Oh non, ça a l'air pas un seul regard. Et moi, maintenant, j'ai des crampes partout dans mes orteils. Bah, on est peut-être pas son genre de pied. Mais ne parle pour toi. Moi, j'ai de très beaux pieds, j'en suis sûre. On me l'a toujours dit, depuis que j'ai 5 ans et demi. Attention, les voilà. Vous avez de la chance, l'eau était chaude. C'est moi qui ai choisi le thé, hein. Eh ben, il est drôlement bon. Mmh. En tout cas, il sent bon. Vous voulez le sentir? Fais attention, Marc! Oh mon Dieu! Je Daniel, 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 j'ai mal! Ça va? L'eau était bruyante, hein? Oh, oui, 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 oui! Très bruyante! Oh là 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 là! Oh, soufflez, soufflez, soufflez! Oh, regardez ma grosse brûlure! Mais on ne dirait pas que la brûlure soit trop grave, quand même. Oui, ben, regardez de plus près! Oui. Regardez! Oh. Vous trouvez pas que j'ai de beaux pieds? L'autre, regardez, l'autre aussi est beau, non? Oui, vous avez de très jolis pieds. Pour une fois, je me trouve pas mal, moi. Ouais, moi, je trouve que j'en jette plus. Des trois, c'est moi la mieux. Sans comparaison. Oh. Bon, les filles, on n'est pas à un concours de beauté. On est très bien, toutes les trois. Oh. Ce Daniel, quel talent. J'ai pas vu le temps passer. Vous avez remarqué ces petites fossettes, là, quand il sourit juste avant d'appuyer sur le déclencheur? Et sa voix chaleureuse quand il nous disait un petit peu plus à droite, un petit peu plus à gauche. Voilà, voilà, ne bougez plus, vous êtes parfaite. Oh, avec son accent, il était adorable. Tu vois, moi, j'aurais pu rester des heures posée pour lui. Moi, des semaines. Moi aussi. Oh. Et puis le résultat en vaut tellement la peine. Les filles, si on se faisait faire un agrandissement. Oh oui, un poster géant. Oh, avec un cadre tout autour.